voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Il y a très longtemps, j'étais enfant, j'ai eu une première période de mon existence où j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique. Mes parents en écoutaient beaucoup, mon père en faisait beaucoup, j'ai commencé moi-même assez tôt. J'adorais ça. J'adorais ça, et puis il y a un moment où c'est un petit peu chuté, et c'est par le concerto de Tchaïkovski que les choses sont revenues comme ça en force, comme une espèce de salve assez invraisemblable. Si j'avais réfléchi à la question, je pense que j'aurais sans doute pas dit ça, mais comme ça, comme un flash, je dirais sans doute le concerto de Tchaïkovski. Je pourrais en dire trois, si c'est possible d'en dire trois. Dominique Merlet, avec qui j'ai travaillé pendant très 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 longtemps, et qui m'a suivi vraiment tout le long de mon parcours musical. C'est lui avec lui que j'ai travaillé vraiment pendant près de 14-15 ans, pas forcément à temps plein, mais vraiment qui m'a suivi pendant tout mon parcours d'études, la transition entre la fin des études et le début de la carrière. C'est quelqu'un envers qui je reste extrêmement proche. Jerzy Szewczuk également, avec qui j'ai peu travaillé dans le temps, mais d'une façon extrêmement intensive à la toute fin de sa vie. Et un petit peu plus récemment, Alfred Brendel, avec qui j'ai eu l'honneur et le privilège et le grand, grand, grand plaisir d'échanger, et vraiment qui m'a porté en très peu de temps beaucoup d'ouverture, beaucoup de réflexion. C'est quelque chose qui change régulièrement. En ce moment, ce serait peut-être la Barcarolle de Chopin. Parce que c'est une œuvre pour moi qui résume tout l'univers de Chopin, à la fois la passion, la construction, le recul, toute la complexité de l'écriture harmonique, tout le nouveau qu'il a développé dans l'écriture de piano, de la pédale, des résonances, de tout ça. Et c'est pour moi une œuvre synthèse, à la fois qui dit tout en très peu de temps. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce.